On est samedi matin, on s'est qualifié pour la finale jeudi soir. On a eu congé hier, donc aujourd'hui on s'est reparti pour l'entraînement. On s'attendait tous à aller jusqu'au bout, à cette finale, mais on n'osait pas trop y penser. Je pense que c'est toujours été un peu tabou dans le vestiaire. Vraiment, c'était une série assez difficile émotionnellement. Ça s'est bien terminé, mais ça n'a pas été facile à chaque match. Donc maintenant, on est content, là où on voulait être. Voilà, je pense qu'on voit, il y a aussi des joueurs qui s'illustrent pendant ces playoffs. Je crois qu'on voit l'image de Bykov, par exemple, qui est juste extraordinaire, de Kons aussi. On sait, durant des playoffs, ça passe par des moments comme ça, ça passe par des individualités aussi. Je pense que ce qui fait la différence cette année, l'ambiance dans cette équipe, c'est juste extraordinaire. Je pense que ça se voit surtout sur la glace, pour les spectateurs, pour tout le monde, les journalistes, tout le monde voit ça un peu de l'extérieur. Ils voient qu'il y a une bonne cohésion, ils voient qu'il y a une solidarité. Et tous les jours, on est là pour s'amuser, pour passer un bon moment. On se réjouit d'arriver à la patinoire pour voir qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui. Je crois que c'est assez unique dans une équipe de hockey. On vit des moments extraordinaires. On a vécu une super saison en finissant premier. On a vécu la Coupe Spengler tous ensemble. Maintenant, on vit ces playoffs qui sont juste magiques. Donc, c'est vrai que c'est une année vraiment marquante et un groupe vraiment, vraiment extraordinaire. L'entraîneur va vraiment être là tous les jours à soigner vraiment les moindres détails, à que chacun sache exactement ce qu'il a à faire pour cette finale. Et je pense que ça va vraiment être le quotidien jusqu'à jeudi prochain. On va aller déjeuner. Et ensuite, on a une vidéo à 10h. Je pense qu'on va regarder un petit peu ce qui s'est bien passé, moins bien passé lors du dernier match contre Zurich. Discuter un petit peu de la finale aussi, parce que c'est une préparation aussi mentale que physique. Non, c'est clair. C'est vrai que le public, lors du match de jeudi, c'était juste incroyable. Je pense que même nous, sur le banc, alors qu'on était dans notre match, c'était le plus important. On n'avait pas vraiment des frissons, on était là, on était porté par cette ambiance. Mais vraiment, c'était magique de jouer dans une ambiance comme ça. Lors des quarts finales, c'était déjà extraordinaire. Lors des demi-finales, encore mieux. Et donc, j'ose même pas imaginer ce que ça va donner lors de la finale. À tous nos supporters et joyeux SPAC. À bientôt.